Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, Sylvie Bernier, médaillée d'or du Canada en plongeon lors des Jeux olympiques de 1984, de passage à la polyvalente de Grande-Rivière. L'obésité qui augmente, la sédentarité, la mauvaise alimentation. Et pour réussir à renverser cette tendance-là, on se doit de travailler autant avec les parents, avec les directeurs de CPE, avec les directeurs d'école, les commissions scolaires, les élus, les politiciens, tout le monde. Donc, il faut vraiment que ce soit un engouement et un projet de société pour y arriver. Maryse Monger nous fait visiter le site de compostage de Grande-Rivière avec Nathalie Drapeau, directrice de la région municipale. C'est important d'expliquer aux gens que si toutes ces matières-là ne se retrouvent pas dans le bac brun, on est garanti d'avoir un compost de superbe qualité. Fred la Marmotte nous donne rendez-vous le 2 février prochain. Vous allez voir l'ambiance qu'il y a, la motivation du monde à attendre une prédiction, d'embarquer dans une histoire, une aventure. Une aventure. Ouais. Le club de boxe de Grande-Rivière invite la population à s'inscrire pour la saison 2013. Je faisais du conditionnement physique, mais là maintenant, c'est qu'on va commencer un entraînement, une équipe de boxe olympique. Ouais. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. Donc, c'est la seule merveille du monde qui est encore debout, même si elle a eu l'érosion un peu. Mais elle a quand même été exploitée en carrière avant le 20e siècle. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que ce serait peut-être bon pour le patrimoine de la conserver. Là. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Eh bien, le 18 décembre dernier, l'athlète médaillée d'or en plongeon en 1984 à Los Angeles, Sylvie Bernier, était de passage à la polyvalente de Grande-Rivière. Ambassadrice des saines habitudes de vie pour Québec en forme, elle présentait une conférence relatant son expérience olympique et l'importance des saines habitudes de vie. Je l'ai rencontrée tout de suite après la conférence. À l'époque, il n'y avait jamais une Québécoise qui avait gagné aux Jeux olympiques. Là, il y en a beaucoup plus maintenant. En 84, il n'y en avait pas. Je suis la première Canadienne qui a gagné une médaille en plongeon. Puis, il n'y en a jamais eu d'autres après. Il y a des médailles d'or, je veux dire. Il y a eu Alexandre Despatie, Émilie Hemmens. Il y en a eu plein qui ont gagné des médailles. Mais gagner la médaille d'or, ça ne s'est jamais vu. Mais si à l'époque, j'avais écouté les gens qui me disaient, ben voyons, c'est impossible. Il n'y a jamais un Québécois qui est allé aux Jeux olympiques. Impossible, oublie ça. C'est comme si quelqu'un vous dit, oublie ça, à percer. Tu n'iras jamais au championnat du monde. Mais pourquoi? Moi, je disais, pourquoi tu me dis ça? Je vais au moins essayer. Je vais au moins travailler en fonction de ça. Je vais au moins persévérer, me donner une discipline de travail. Pourquoi tu me décourages avant même que j'ai commencé et essayé? Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là, puis je me suis rendue jusqu'à Los Angeles. Donc, les jeunes de la polyvalente de Grande-Rivière ont le privilège aujourd'hui de recevoir Mme Sylvie Bernier, la polyvalente de Grande-Rivière. Première médaillée olympique, médaillée d'or olympique aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles en plongeon. Donc, Mme Bernier, le message aujourd'hui lors de votre conférence, c'est de faire la promotion de l'activité physique, c'est bien ça? Tout à fait, c'est de bouger, bouger et bouger. De bouger au moins 60 minutes par jour lorsqu'on est jeune, adolescent et même adulte, dans le fond, donc, et de bien manger. Donc, on a parlé de l'importance de boire de l'eau, de laisser tomber un petit peu les boissons sucrées, les boissons énergisantes, d'être actif à toute période de la journée, que ce soit avant l'école, de marcher pour venir à l'école, que ce soit pendant les périodes d'école, à l'éducation physique, dans les récréations, après l'école, donc le jeu libre, les jeux plus structurés, de bouger le plus souvent possible. Vous avez parlé de la persévérance que ça a pris pour arriver à l'ultime objectif des Jeux olympiques. On parlait d'au-delà d'un million de plongeons. Ça a été quand même toute une aventure dans votre vie, là. Oui, puis souvent, bien, lorsqu'on rencontre des jeunes, ça les impressionne de voir que lorsqu'ils nous voient sur un podium aux Jeux olympiques ou à une Coupe du monde, il n'y a pas eu de succès instantané. Il n'y a rien de facile. Ça demande la persévérance, ça demande la discipline, mais le résultat final est tellement valorisant que c'est un petit peu cette énergie-là que j'essaie de leur transmettre, en ce sens que, quel que soit leur rêve, il n'y a rien d'impossible, mais il s'agit de mettre l'énergie puis le travail derrière ça.
Tout ça dans l'objectif d'une campagne provinciale, c'est bien ça? Oui, c'est une campagne nationale. WIX, qui est un projet de Québec en forme. Et l'objectif de WIX, il y a un site Internet qui est wix.ca. L'objectif est vraiment d'aller chercher les jeunes. Plus spécifiquement, 9-13 ans, on sait que c'est une catégorie d'âge où souvent les jeunes décrochent du sport et d'être physiquement actifs. Donc, c'est vraiment axé pour aller chercher la clientèle cible, c'est vraiment 9-13 ans. Donc, on est venu évidemment parler de la campagne WIX. Hein? Et puis, on est venu aussi parler de façon globale l'importance des saines habitudes de vie pour les 0-17 ans, qui est vraiment la clientèle de Québec en forme. Puis Mélissa travaille très fort sur le terrain. Elle est responsable régionale pour Québec en forme dans la région. Donc, on parle de regroupement de partenaires, des gens qui sont très impliqués dans chacune des communautés. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'on doit, ça doit venir d'une mobilisation de la base. Et c'est ces gens-là qui vont faire la différence pour permettre aux jeunes d'avoir des environnements. On parle beaucoup d'environnements favorables pour faire en sorte que nos jeunes bougent au quotidien. Et c'est Mélissa qui est sur le terrain pour travailler avec les partenaires. Et à travers la tournée aujourd'hui, on a rencontré les jeunes, mais justement, on s'en va rencontrer le regroupement de partenaires, justement, pour échanger avec eux puis souligner, parce qu'on sait que ça demande une mobilisation, ça demande du travail. C'est des gens qui croient en la cause, qui s'investissent pour les saines habitudes de vie des jeunes. Donc, cet après-midi, on rencontre le regroupement de partenaires de Rocher-Percé. Et regroupement de partenaires, il y en a 5 dans la région, de Gaspésie-les-Îles. Et puis, et c'est vraiment, ça regroupe les partenaires de tous les secteurs, de tous les milieux, parce qu'on le dit, c'est ensemble. Toute une communauté, c'est un projet de communauté. On sait que les écoles sont des partenaires privilégiés, mais on retrouve des partenaires de différents secteurs dans les milieux, puis c'est ce qui fait qu'on change, on assure le changement. Exact. Rassembler tout le monde autour de l'activité physique, au fond. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que c'est un problème mondial, hein, l'obésité qui augmente, la sédentarité, la mauvaise alimentation. Et pour réussir à renverser cette tendance-là, on se doit de travailler autant avec les parents, avec les directeurs de CPE, avec les directeurs d'école, les commissions scolaires, les élus, les politiciens, tout le monde. Donc, il faut vraiment que ce soit un engouement et un projet de société pour y arriver. On a même rencontré hier votre directrice de la santé publique, donc avec toute son équipe et les commissions scolaires aussi. Donc, vraiment, on croit qu'on va y arriver, mais pour ça, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Merci à vous. Merci. Depuis septembre dernier, notre site de compostage est en opération à Grande-Rivière. Maryse Monger a rencontré la responsable du projet directement sur le site. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Nous sommes ici au site de compostage alors que le compostage a débuté depuis le mois de septembre. Effectivement. Donc le site est situé là, sur la rue de la Débouche à Chandler. Oui, alors c'est un très beau site, très grand site situé quand même assez loin des maisons avoisinantes. Oui, on est à 1 km de la première résidence. Donc, le site, la façon que ça fonctionne, c'est les arrivages. Donc, les camions arrivent là, par le chemin d'accès et ça débute sous le bâtiment. Donc, c'est un bâtiment semi-fermé. L'objectif de ça, c'est de réduire les apports en eau, OK? Donc, au niveau de la pluie, au niveau de la neige. C'est une plateforme étanche qui est en dessous. C'est une plateforme bétonnée. On va aller la voir tout à l'heure. Mais donc, c'est de réduire là, tout ce qui est apport d'eau au niveau du compostage. Donc, c'est là qu'on fait le premier travail. Okay. Puis quand ça fait peut-être un mois ou deux qu'on travaille la matière là, après ça, on la transporte sur une autre plateforme à côté qui est ouverte, mais qui est complètement étanche elle aussi. Okay. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas très compliqué, le compostage. Là, c'est un processus bien simple. Vous avez... Oui. Et naturel. Et naturel, bien sûr. Vous avez 2 employés, là, ici. Oui, oui. Il y a Richard Blais, qui s'occupe, là. En fait, c'est lui qui est le responsable, si vous voulez, au niveau des opérations. Il prend les températures, il va prendre les échantillons, envoyer les échantillons au laboratoire pour faire les analyses. Puis, il y a Normand Fauché, qui est l'opérateur de la machinerie. Donc, il va manipuler la matière, faire les mélanges avec le structurant de bois, le copeau. Alors, c'est lui qui s'occupe de ça. Mais il travaille en équipe, travaille en collaboration. Parce que quand les voyages arrivent. Parfois, ce sont de beaux voyages. Parfois, il y a de la matière qu'on retrouve dans les voyages qu'on ne devrait pas retrouver. On va vous en montrer quelques échantillons tout à l'heure.
Donc, on est sous la plateforme, puis l'équipe est en train de passer à travers le voyage parce qu'il faut absolument enlever là, les plus gros contaminants qu'on devrait absolument pas retrouver dans le compost ou dans la matière organique, dans les bacs, une canette, des bouteilles de verre, tout ce qui est verre est vraiment pas à mettre dans le bac brun, pièces métalliques. Ça devrait absolument pas se retrouver dans le bac brun. Puis éventuellement, c'est même des bacs qu'on va devoir refuser parce que sinon, on va nuire à la qualité du compost produit. Donc, alors c'est ça. Ils reçoivent le voyage, ils enlèvent les sacs de plastique. Ouais. On en reçoit beaucoup. Ben là, il est pas compostable. Oui, ça, c'est important. Il y en a. Il y a des gens, c'est curieux quand même. Ils savent que le pain est compostable, mais ils le laissent dans le sac plastique. Est-ce que les gens sont pas assez responsables? Ils voient ces gens-là travailler puis ils se disent, ils vont le faire à ma place? Bien, je pense qu'en fait, ils savaient pas qu'il y avait des personnes qui travaillaient comme ça, la matière, tu sais, vraiment de façon brute, là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant avec le vidéo, c'est que à ce moment-là, ils peuvent voir. Mais je pense que c'est juste une question d'informer les gens. Puis une fois qu'ils l'ont réalisé, bien, je pense qu'on va éliminer une grande partie de ces irritants-là. On retrouve beaucoup de vêtements. On retrouve des bouteilles de verre. Des ampoules électriques. Bon. Alors, il y a toute une panoplie de matières là, qu'on ne voudrait pas retrouver là, au niveau du bac brun. Tâchez le sac avant de le mettre au compost. Au compost. Alors, je ne sais pas si les gens ont compris, mais... OK, mais c'est ouais. Ça, c'est que ce que Normand montrait, c'est que les gens, oui, ils mettent le pain au compostage, mais dans le sac plastique. Ouais. Et même souvent, ils prennent le soin d'attacher le sac plastique. Alors, oui, comme ça, de la matière dans un contenant. Qui, le contenant est recyclable. Le contenant est recyclable, il n'est surtout pas compostable. Non. La matière qui est dedans est compostable. Juste, on demande aux gens, en fait, mettez-le pas dans le contenant. Sortez-le du contenant, mettez-le en vrac dans votre sac, dans votre bac, puis on va vous donner des trucs aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas saler leur bac, puis on va y revenir là-dessus, mais je pense qu'on a démontré là, ce qui n'était pas souhaité. Là, comme depuis le début, donc c'est depuis le mois de septembre, on a débuté depuis le mois de septembre, et là, ce qu'on voudrait, nous, c'est tripler la participation des citoyens. Actuellement, là, on a peut-être là, 2600 résidences qui participent sur une possibilité de 8000 sur le territoire de la MRC. Vous voyez ça avec les bacs qui sont au chemin? Oui, parce que nous, on a une équipe d'agents verts qui fait la tournée des bacs, qui vérifie ce qu'il y a dans les bacs. Okay. Parfois, ils vont même apposer un billet de courtoisie sur le bac brun. Soyez pas insultés de tout ça, là. Quand on dépose un billet de courtoisie, c'est juste dire, écoutez, cette matière-là, idéalement, là, on ne la voudrait pas dans le bac brun. On fait juste donner un avertissement. Là. Okay. C'est pas... Y a des gens, parfois, ils nous appellent et sont un petit peu insultés, mais c'est prenez... C'est exactement. C'est juste pour donner... c'est une façon d'informer les gens. Donc, mais ce qu'on veut, c'est que les gens... Là, c'est tripler la participation. Pourquoi? Puis là, c'est le bon temps. Là. C'est le bon temps de s'y mettre, de pratiquer. T'as moins de problèmes d'odeur, t'as moins de problèmes de mouches. Et puis, t'as le temps de t'habituer à la façon de faire. Parce que quand va arriver le temps du mois de mai, les chaleurs vont prendre, la collecte des déchets va être aux 2 semaines toute l'année. Alors, pendant l'été, vous allez trouver que votre bac brun, c'est un bon ami, c'est un bon allié. Mm-hmm. Alors, c'est le temps de vous pratiquer à utiliser votre bac brun. Il y a des gens qui vont s'inquiéter, oui, mais là, si on accueille les Kleenex, tu sais, les mouchoirs, si on accueille la litière, ça va donner un compost... Est-ce qu'il va être contaminé? Ouais. Eh bien, non. Vous allez remarquer là, quand Normand travaille, là, les piles de matière, vous allez voir, il y a une fumée qui s'échappe du sac, de la pile. Cette fumée-là qui s'échappe de la pile, ça démontre que le compost atteint des températures de 60-70 degrés. Okay. Ça vient aseptiser ton produit, ton Alors, compost aseptiser, produit. Aseptiser, ça veut dire qu'il n'y a aucun microbe dedans. Exactement. Okay. Puis nous, pour être sûr et certain que c'est le cas, y a, quand on est prêt à tamiser le compost pour qu'éventuellement on puisse le distribuer aux citoyens, on prend des échantillons, on les envoie au laboratoire et il y a une panoplie d'analyse qui est réalisée. Okay. Il y a beaucoup de paramètres qui sont vérifiés sur le compost produit. Okay. Et une fois que le résultat d'analyse dit oui,
c'est beau, il peut être distribué aux citoyens. Donc, il y a certaines personnes qui ont des malaises avec l'utilisation du bac brun. En hiver, vous allez remarquer peut-être qu'en hiver, là, que la matière reste collée au fond. OK? On répète, il y a deux, trois trucs qu'on peut vous donner pour ça. La matière reste collée au fond parce que avec l'humidité, s'il y a trop de matière humide qu'on dépose directement au fond du bac, elle reste collée. OK? Elle gèle là, puis elle reste collée. Donc, ce qu'on vous propose, deux, trois trucs. Le premier, peut-être mettre quelques cartons de boîtes de céréales au fond. Ça peut être un truc. Ça va empêcher la matière de coller au fond du bac. Vous pouvez aussi utiliser des grands sacs papier. OK? Donc, vous pouvez déposer un grand sac papier. Vous pouvez déposer un grand sac papier dans votre bac et vous pouvez mettre vos matières dans votre grand sac papier. Il y a des plus grands sacs que celui-là à la quincaillerie, comme des grands sacs à feuilles. Vous pouvez vous mettre un grand sac à feuilles dans votre bac. En hiver, la collecte est une fois par mois, donc ça vous coûte un sac par mois. Vous mettez le grand sac, puis vous remplissez votre grand sac. À ce moment-là, ça peut régler votre... une partie du problème. Vous pouvez aussi utiliser des petits sacs papier. Ils en vendent aussi en quincaillerie. Toutes les quincailleries sur le territoire là, distribuent les sacs papier. Il y a différents modèles, différentes sortes, là, mais vous pouvez utiliser des petits sacs de comptoir là, que vous mettez dans votre bac à ce moment-là. Puis là, vous utilisez le sac dans votre bac. OK? Ça peut être ça. Donc, à ce moment-là, en mettant un carton au fond ou en utilisant de gros sacs papier, ben vous évitez, là, vous prévenez le gel de la matière là, très humide au fond du bac. Ça, c'est un truc. Pour l'été, c'est encore mieux. Les grands sacs de feuilles, vous pouvez poursuivre l'utilisation des grands sacs de feuilles si vous le voulez, si vous le désirez. Si vous n'aimez pas là, le contact visuel là, avec la matière dans le bac, là, alors ça peut être une façon de prévenir ces problèmes-là. En été, ou quand la période est plus chaude, puis que vous ne voulez pas utiliser de sac, ben on revient toujours avec le fameux truc de la lasagne. Vous mettez de la matière organique dans votre bac, puis vous recouvrez avec un petit peu de feuilles, un petit peu de gazon, mais compactez pas votre gazon. À partir de... Quand vous compactez, on a vu ça, là, des bacs qu'on est allé chercher, là, quand vous compactez le gazon, ben il vient prendre tout l'espace, puis on n'est plus capable de vider le bac par la suite. Fait qu'il faut le déposer, mais pas venir compacter tout ça dans le bac brun. Alors, on a vu vraiment tout le processus de l'arrivage du compostage et jusqu'au produit fini derrière nous. C'est après combien de semaines, ça, Nathalie? Ça, c'est 2 mois. Oh. Donc, après 2 mois, on voit là, vraiment là, que la, tu retrouves plus là, les, tu sais, ce que tu voyais de l'autre côté, les pommes, puis les citrouilles, puis les branches. Tu les retrouves plus. Là. C'est déjà transformé. Le processus est déjà très avancé. Okay. T'as pas d'odeur. Non. Et puis, tu sais, visuellement, ça donne déjà un beau produit. Mais ça donne un beau produit parce qu'on a une équipe qui fait un travail en amont. Et ce que vous avez vu, le tri que vous avez vu, ben, c'est important de le montrer. C'est important d'expliquer aux gens que si toutes ces matières-là ne se retrouvent pas dans le bac brun, on est garanti d'avoir un compost de superbe qualité. Alors, c'est important pour nous que les gens comprennent ça. Oui. De voir que c'est ça qu'il y a des humains qui travaillent au tri. Oui, des vraies personnes. Wow. Donc, le processus n'est pas très compliqué. Oui. Vous le voyez, une fois que les bacs arrivent, la matière est étalée sur la plateforme. C'est une plateforme qui est étanche. Oui. Okay? La matière est étalée. L'équipe enlève là, les plus gros contaminants. Mm-hmm. Une fois que c'est fait, Normand va regrouper la matière, va la mélanger avec le copeau de bois. Okay? Et il va former des grosses piles comme ça. Et Richard, lui, va s'occuper régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, il va s'occuper de prendre la température. À la fin, il va prendre des échantillons et puis on va envoyer ça au laboratoire pour s'assurer que le produit fini est aseptisé et sans contaminant et donne un compost de double qualité qui respecte tous les paramètres d'analyse. Mettez votre bac au chemin, même s'il y a juste ça dans le bac, c'est pas grave. Mettez-le au chemin, ça va éviter là, de développer des problématiques. C'est pas sorcier. Non, c'est pas sorcier. Puis appliquez les petits trucs, puis si vous n'êtes pas certain, appelez-nous. Si votre bac, là, il est resté de la matière dedans, appelez-nous. Prenez le temps de nous appeler, on va recevoir vos questions, on va répondre, puis ça nous fait plaisir, puis ça nous permet aussi d'améliorer les choses en cours de route. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez compris à la maison. Alors, nous étions ici au site de compostage, au bout de Saint-François, si on peut dire. Oui, c'est ça, sur le chemin de la débouche. Et voilà. Alors, bon compostage à vous. Merci, Nathalie. Merci, Maryse.
Le 2 février prochain, à Val-d'Espoir, ce sera la 4e édition des prédictions de Fred, la marmotte officielle du Québec. Monsieur Roberto Blondin nous parle de l'événement. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Roberto Blondin. M. Blondin est fondateur d'un événement qui est très populaire, non seulement en Gaspésie, au Québec, mais même à travers le Canada, le fameux Jour de la marmotte avec la marmotte Fred à Val-d'Espoir, petit village en Gaspésie, petit village qu'on connaît quand même assez bien dans le secteur de la MRC Rocher-Percé. M. Blondin est avec nous aujourd'hui pour parler de l'édition du 2 février prochain. Alors, bonsoir, M. Blondin. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça va tout le temps bien. Une 4e année cette année pour Fred la marmotte? Une 4e année de festivités avec Fred la marmotte qui s'annonce très bien. Alors, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas l'ensemble de l'histoire qu'il y a derrière ce projet qui a vu le jour dans votre tête, je crois que ça s'est passé dans la cuisine à la maison. Peut-être raconter aux gens à la maison comment ça vous est venu, ça, cette idée-là, d'en venir à penser à mettre sur la map une nouvelle marmotte, une marmotte qui représente le Québec et d'autant plus dans le village de Val-d'Espoir. Tout simplement, en revenant chez nous d'un voyage le 2 février, je me suis mis à regarder des postes de télé, puis c'était le 2 février, donc les marmottes ont commencé à défiler. Donc la première, c'était Phil aux États-Unis, qui prédisait quelque chose. La deuxième, c'était Sam en Nouvelle-Écosse. La troisième, c'était Willie à Wellington, en Ontario. Bon, puis un journaliste qui a dit qu'il y en a une par État ou par province. L'idée m'est venue, j'ai checké sur l'ordinateur, puis j'ai dit, on a la formule gagnante. Ça, c'est gagnant. Si on est capable d'emporter ça dans notre Gaspésie natale et de représenter le Québec, juste pour nous, la visibilité va être énorme. Je ne me suis pas trompé. On a une très bonne visibilité, puis on est très bien perçu au niveau des médias nationaux, puis provinciaux, puis régionaux surtout, parce qu'on a une très belle couverture des médias régionaux. À partir du moment où cette idée-là a germé chez vous, là, vous avez essayé de mobiliser la population pour réaliser l'événement et les gens ont vraiment embarqué avec vous. Ben oui. Écoute, on a décidé de former comme une équipe de Team Val-d'Espoir pour aller en Nouvelle-Écosse, aller voir Sam. C'est à Sherbrooke-Acadie, ça. Puis on a été voir comment ils s'organisaient, puis de quelle façon, puis les retombées que ça avait dans leur village. C'était pas un gros village aussi, ça. Donc, on a eu l'aide de quelques contracteurs, Norbert Blais de Val Construction, qui nous a aidé terriblement à payer le voyage pour aller là, la ville de Percé. On a parti, moi puis ma conjointe, et puis un couple d'amis. Puis on a bien été accueillis en Nouvelle-Écosse. On a été voir ça. Puis moi, je ne parlais pas anglais. Les trois autres parlaient anglais. Donc, les trois autres jasaient avec les personnes. Puis moi, je me suis assis, puis j'ai tout simplement regardé. J'ai vu ce qui se passait dans les yeux des enfants qui sont épanouis. J'ai vu les parents qui embarquaient. J'ai vu des personnes âgées. Puis surtout, j'ai vu des médias. Plein de médias. Puis j'ai dit, c'est la formule gagnante pour notre région, pour notre MRC, pour mon village. Et puis depuis, c'est rendu une tradition dans la MRC du Rocher-Percé. À tous les 2 février, on se rejoint, on se donne rendez-vous à Val-d'Espoir. Il y a plusieurs enfants qui sont là. On peut même dire que c'est une activité dite familiale où, effectivement, les médias sont au rendez-vous, mais aussi les gens, la population en grand nombre pourraient participer. On parle de déjà la 4e année, donc 3 ans déjà été fait. Peut-être un petit bilan jusqu'à maintenant. Là, on peut dire que c'est mission accomplie. C'est mission accomplie. Écoutez, quand tu es capable de faire relever à 5 heures du matin approximativement 500 personnes à moins 30, je pense que c'est gagnant. Cette année, probablement que ça va être plus chaud un peu. Là. Je ne veux pas décourager le monde. Puis, non, c'est gagnant. Le monde aime ça. Je pense que c'était un manque. Tu sais, les Gaspésiennes de notre région sont appropriées Fred. Puis là, présentement, le Québec l'adore. Donc, ça fait en sorte que c'est une formule gagnante. Les enfants, écoute, on donne beaucoup de place aux enfants. Il y a les enfants de l'école de Val-d'Espoir qui vont faire la prédiction. Il y a les enfants de Val-d'Espoir et de Bon Pasteur de Sainte-Thérèse qui font une chorégraphie musicale de danse. Il va y avoir des activités, des chiens de traîneau. Il va y avoir du maquillage pour les enfants, un patinéton, pour des jeux de poche immenses. Puis pour des photos sur la scène avec la cabane à Fred, écoute, ça va être merveilleux. Il y a aussi l'école de Cap d'Espoir avec Chantal Méthode qui vient avec ses enfants. Là. Elle, à chaque année, c'est une tradition pour elle avec ses enfants.
Et ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que ça va avoir lieu la fin de semaine. Non seulement la fin de semaine, mais un samedi. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bien, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ouais. Puis là, on n'a plus d'excuses. Ça, c'est vrai. On ne travaille pas le lendemain. On ne travaille pas le lendemain. Oui. Venez faire un tour. Venez voir l'ambiance qu'il y a. La motivation du monde à attendre une prédiction, d'embarquer dans une histoire, une aventure. Une aventure, ouais, qui va se perpétuer à chaque année. Mm-hmm. Ça fait la 4e année, mais si on regarde en Nouvelle-Écosse, c'est la 36e. Si on regarde en Ontario, c'est la 62e. Puis, Phil, on n'en parle pas, c'est depuis 1886. Ça fait quand même un bout de temps. Donc, vous embarquez dans une aventure, vous embarquez dans une tradition, vous développez des liens avec le monde, vous jasez, vous mangez dans une église, l'église est transformée pour ça. Vous avez de la musique avec le plus bon musicien folklorique qu'on a dans le coin, La Tulipe et ses musiciens, qui va être là et qui va jouer de la musique juste pour vous. Vous allez avoir des activités à l'intérieur, à l'extérieur. On va avoir une yourte aussi, une yourte qui va permettre au monde d'aller prendre un café là-dedans. Les enfants, ils vont avoir un chocolat chaud en dedans, là, à déguster dans le yurt. C'est un nouveau produit en région, puis on pense que c'est très important parce que c'est quelque chose qui peut s'adapter autant à l'été qu'à l'hiver. Donc, il va y avoir une exposition du yurt avec des chiens de traîneau en plus. Donc, ça va être un rendez-vous samedi le 2 février. On demande aux gens de se présenter des alentours de 4h30-5h? Oh non, c'est... Non. Un peu trop tôt? Là, c'est un peu trop tôt. Mais ben, tu sais, ça commence à 5h30, les déjeuners. Bon. Mais c'est comme Fred, il y a des hâtifs puis il y a des tardifs. Okay. Donc, il y en a qui arrivent à 5h30, bon, qui est de bonne heure. Mais il y en a qui arrivent à 6h30, ouais, juste avant l'événement. Okay. Mais préférablement arriver de bonne heure parce qu'il y a beaucoup de monde. L'année passée, on a eu au-delà de 500 personnes, là, si on calcule les déjeuners. Et puis Fred, de la prédiction de l'année passée, est-ce que ça s'est concrétisé? Est-ce qu'elle avait raison ou elle avait tort? Elle avait raison. Si on s'en souvient bien, printemps passé, les pêcheurs d'eau morte n'ont pas pu sortir parce qu'il y a fait une tempête de neige. Ça, c'est cumulatif après le 6 semaines. On voit comment la nature réagit. Ouais. Je pense que Fred, la première année, il était jeune, il était débutant, il était novice. Et là, c'est rendu un beau gros mâle de 5 ans qui pèse 18 livres. Il va bien, Fred? Ah, Fred est en pleine santé. Santé. Fred, il représente le Québec avec fierté. Toujours des grandes discussions avec Fred, oui. Tout le temps. Non, mais c'est important de l'écouter. Ouais. Non, c'est très important. L'écoute, c'est très important dans un... Pas dans une relation, oui, c'est ça. Dans une relation, disons, avec un icône maintenant au Québec. Oui. Martin Hassel, je veux dire, c'est il est reconnu là, à travers le Canada, Fred. Là. Bien, c'est pari gagné parce que si on regarde sur le net, allez taper Fred la marmotte, sur des sites américains, ils comparent Phil à Fred. Déjà là, ils ont comme torsé Sam un peu, puis Willie. Il y a plein de sites qui parlent de Fred. Il y a des blogs qui est fait, que je ne connais pas le monde, qui parlent de la marmotte officielle du Québec. Le macaron encore cette année? Un très beau macaron. Et puis, pour réaliser ce genre d'événement, naturellement, on va terminer là-dessus. Il y a des commanditaires qui sont vraiment très importants et qui font en sorte que ce genre d'événement-là puisse se produire à chaque année. Bien, je te dirais que je suis chanceux. Je me considère chanceux. Puis je considère la population chanceuse qu'il y a des commerçants, puis probablement sont tous de même. Ils ont une pensée régionale. Ils ont une pensée de leur population. Je prends exemple. BMR, avec M. Michel Cauvier. Cette personne-là m'appuie depuis le début. Puis il a tout le temps été là pour nous, puis il trouve que c'est une bonne idée au niveau de la visibilité, puis ça fait connaître sa région. Je prends comme Jean-Louis Monger Ford. Il y a une façon de percevoir des choses qui fait en sorte que tu es quasiment fier de rentrer là parce que lui, il pense régionalement, il pense à l'impact que ça peut avoir sur diverses choses. Puis il veut participer. La caisse du littoral gaspésien, c'est la même chose. Ils tiennent à cet événement-là, ils tiennent à avoir un rayonnement au niveau provincial pour notre région. Là. Il y a aussi Global Media. Il faut que je remercie Paul Grenier avec Global Media parce que c'est lui qui nous a développé le système qu'on est capable de diffuser partout à TVA ou bien à Radio-Canada. Qui nous avantage beaucoup, on est capable de diffuser notre événement. En direct? Oui.
Puis je tiens à remercier aussi monsieur le député ministre Gaétan Lelièvre, qui pour la première année nous a bien appuyé dans nos démarches, puis qui suit tout ce qu'on fait. Alors, le 2 février prochain, c'est à Val-d'Espoir que ça se passe. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Manquez pas ça. Vous allez avoir du fun. C'est festif. Vos enfants, ils vont s'amuser. Vous allez sortir de là avec un devoir accompli. Merci beaucoup, M. Blondin, de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Bien, c'est moi qui vous remercie. Le club de boxe de Grande-Rivière est toujours en opération et pour ceux qui veulent se remettre en forme, eh bien, c'est l'endroit idéal pour ce faire. Allons rencontrer M. Jean-Marie Huard directement au club de boxe à Grande-Rivière. Alors, M. Huard, nous sommes présentement directement au club de boxe. On peut dire que la saison est réellement commencée, là? La saison a commencé. Disons, moi, je suis arrivé ici au mois d'octobre, là, mais j'ai eu un cancer en 2010 et puis j'avais été obligé de lâcher l'entraînement pour aller me faire soigner à Montréal. Mais là, je suis revenu depuis le mois d'octobre. Mais je faisais du conditionnement physique. Mais là, maintenant, c'est qu'on va commencer un entraînement, une équipe de boxe olympique. Ouais. Donc, on a tous les équipements ici à Grande-Rivière-Ouest au club de boxe pour faire un bon entraînement. Là. On a tout l'équipement pour tout, là, l'arène, les gants, tout. Il n'y a rien qui manque. Sauf que c'est les jeunes qui ont parti depuis 2010. Puis là, ben, j'essaie de les rassembler, de les ramener. Donc, qu'on ait des jeunes de Grande-Rivière. Quand je parle de jeunes, je parle de jeunes de 8 à 30 ans là, qui veulent faire une compétition de boxe pour l'expérience. On est là pour ça. C'est quoi la procédure à suivre pour s'inscrire? On a seulement qu'à venir ici au gymnase. Le cours va se donner à 17h30. 19h30. Et puis, on peut s'inscrire là, directement avant l'entraînement. C'est combien de fois par semaine? Quel jour? C'est 3 fois par semaine. C'est lundi, mercredi et vendredi. Et puis, pour l'inscription, c'est 50$. Tout le matériel, comme on disait tout à l'heure, tout le matériel est fourni, et puis c'est la place. Il y a seulement qu'un club de boxe jusqu'à Rimouski, et puis normalement, ça devrait fonctionner. Là. Donc, une invitation à tous les jeunes de la région à venir se remettre en forme et pratiquer un sport quand même assez populaire. Oui, tous les jeunes de la région, puis les jeunes adultes aussi, là, c'est que... pour tous les âges. Puis là, il y a un cours de conditionnement physique aussi qui est à 5h30 à 17h30. Et puis c'est donné par Ghislain Angléat. Et puis, c'est ça. Le club de boxe du Rocher-Percé, là, il est capable de donner satisfaction à bien des jeunes. Est-ce qu'on peut s'attendre à de la compétition à moyen terme? Bon, mais disons que nous, là, on a commencé, le club de boxe a ouvert en 2006. En 2007, on a fait une compétition. On a fait une compétition en 2008, 2009. À chaque année, on a fait. C'est que là, j'ai tombé malade, comme on disait tout à l'heure. Mais là, disons que normalement, là, si ça répond, on va faire une compétition éventuellement, là, probablement au mois d'août. Ouais. Merci beaucoup, M. Huard. Ça fait plaisir. Bien, mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Mme Jocelyne Courvier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, cette semaine, comme divertissement, nous allons parler des 7 merveilles du monde. Ça risque d'être très intéressant. Bien oui, en fait, je vais parler des 7 merveilles du monde antique, parce que là, on a fait des merveilles plus actuelles. On parlait même du rocher de Percé, qui était une de ces merveilles-là. OK. Donc, je parle des merveilles... de l'Antiquité, c'est des œuvres architecturales ou artistiques qui étaient considérées comme parfaites de par leur taille imposante, de par leur complexité. Symétrie. Oui, exactement. Donc elles se retrouvaient toutes dans le bassin méditerranéen. Les gens vont voir une carte à l'écran. Puis cette fameuse liste des 7 merveilles du monde, ça existe depuis 290 avant Jésus-Christ.
Donc, ça date d'assez longtemps. Tout au long que je vais expliquer les merveilles, évidemment, vous allez voir des images. Merveilleux. Donc, je commence avec les jardins suspendus de Babylone. Babylone qui se trouvait dans l'Irak actuel. Puis ça a été construit au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était en fait des terrasses de 300 pieds. Puis là-dessus, on avait vraiment des arbres, des grands arbres, des arbres fruitiers, des fleurs. Puis il y avait des escaliers de marbre. Donc, c'était pour l'époque, c'était quelque chose, vraiment une grande réalisation. Là, les photos qu'on voit, une photo d'époque, c'est bien ça? Oui, les gens vont voir des représentations artistiques actuelles, des gravures, évidemment. De cette époque-là. Oui, parce qu'on n'a plus aucune trace de ça. Puis ça, c'est un jardin décoratif qui avait été fait par le roi Nabucodonosor. Je l'ai bien dit. C'est bien. Qui avait fait ça pour son épouse, pour lui rappeler son pays natal. Donc, il a mis les arbres qu'on trouvait dans son pays natal. C'est la seule merveille du monde qu'on a trouvé aucune trace. On a des écrits, puis des descriptions, mais on n'a aucune trace. Puis ça a disparu avec l'abandon de la cité de Babylone. Ensuite, il y a la statue de Zeus en Grèce. C'était en moins 437 avant Jésus-Christ. Ça a pris 5 ans pour le construire. C'était une statue de 12 mètres de haut. Puis ça, c'était fait en ivoire et en or. On imagine, c'est assez dispendieux à produire. Et c'était donc Zeus sur son trône. Puis c'était fait pour le temple d'Olympie. À un moment donné, on l'a déménagé à Constantinople, cette fameuse statue-là. Puis c'est là qu'elle a été détruite par un incendie. Donc, c'est impressionnant de voir qu'avec les moyens de l'époque, on arrivait à faire des choses aussi impressionnantes. Là. Les artisans avaient beaucoup de talent. Exactement. Ensuite, on a le colosse de Rhodes. Ça, c'est en Grèce. Ça date de moins 303 avant Jésus-Christ. Ça a pris 12 ans à faire cette statue-là. C'était plus de 30 mètres de haut. C'est un petit peu moins haut que la statue de la Liberté. Et c'était fait en bronze. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Ça représentait Hélios, qui est le roi soleil. Puis d'ailleurs, la statue de la Liberté est inspirée du colosse de Rhodes, en version féminine, évidemment. Et d'arriver à travailler les métaux à cette époque-là, c'était assez impressionnant. Ah, c'était vraiment là, des travaux vraiment impressionnants. La disparition, bien, c'est un tremblement de terre qui cassa le colosse de Rhodes au genou. Puis elle a quand même resté debout pendant 56 ans. Quand on pense, ça a pris 12 ans pour le construire, puis ça a quand même juste resté 56 ans sur pied. Donc, c'est une autre merveille du monde. Ensuite, on a le temple d'Artémis. Ça, c'est en Turquie. Ça date de moins 340 avant Jésus-Christ. Ça a pris 120 ans à construire. En fait, ça a été détruit 7 fois. Les gens étaient quand même persévérants. C'était fait, entre autres, de 127 colonnes de 60 pieds. C'était des colonnes recouvertes d'or. C'est impressionnant parce que l'or, c'est quand même un métaux assez rare. Est-ce que l'histoire dit pourquoi ça a été détruit 7 fois? Ou... Oui, 7 fois-là, ça a été détruit par un incendie et un pillage. Parce qu'évidemment, comme c'était de l'or, bien, les gens ont volé. Puis aussi, c'est qu'avec le temps, comme beaucoup des merveilles du monde, c'est qu'on a fini par exploiter une carrière, à prendre la pierre pour faire d'autres choses. Donc ça, c'était fait en pierre et ça représentait la déesse grecque de la fécondité et de la nature sauvage. Puis c'est à noter, c'est que c'est la première banque du monde. C'est qu'à cet endroit-là, on pouvait aller déposer de l'argent et la reprendre plus tard avec un intérêt. Donc, c'est considéré comme la première banque. Donc ça, c'était en Turquie. Ensuite, on a le tombeau de Mausolée à Halicarnasse, qui est encore une fois en Turquie. Ça date de moins 355 avant Jésus-Christ, et ça a pris 6 ans de travaux. C'était haut de 45 mètres. Puis, c'était fait en marbre. Donc, assez impressionnant. Puis, on appelait ça la mausolée. C'est que c'était le roi Mausol qui était marié avec sa sœur, ce qui était assez fréquent à l'époque. Pour nous, c'est assez bizarre, là. Donc, c'était un couple royal. Donc, le roi Mausol a donné le nom à une mausolée. C'est mausolée, c'est en fait un tombeau de très grande dimension. Puis la disparition, bien, il y a eu des guerres, les intempéries, puis tremblements de terre. Puis encore une fois, bien, on a fini par exploiter en carrière pour des besoins militaires ce qui est resté là, du tombeau. Ensuite, on a le phare d'Alexandrie en Égypte. Ça date de moins 290 avant Jésus-Christ. Ça a pris 10 ans à construire. C'était un phare de 135 mètres de haut. On le voyait à 50 km, donc disons qu'il était à Port-Daniel, on le voyait à Grande-Rivière. C'était assez impressionnant.
Et ça, c'était fait en pierre. Ça a été un aide à la navigation durant 17 siècles, quand même. Ça a duré assez longtemps. C'est considéré comme le premier phare construit qu'on connaît. Puis, ça a été construit sur l'île Pharos. Donc, Pharos, c'est ce qui est devenu le nom grec pour phare et qui a découlé avec le nom français phare. C'était tellement grandiose, ça a donné le nom à un phare. Puis, la disparition, bien, c'est un tremblement de terre. Et encore une fois, on a fini par l'exploiter en carrière pour des besoins militaires. La dernière merveille du monde, et non la moindre, c'est les pyramides d'Égypte, particulièrement la pyramide de Khéops à Gizeh. Ça, c'est la plus ancienne. Ça date de moins 2650 avant Jésus-Christ. Ça a nécessité 25 ans de travaux. Et c'était vraiment un très gros chantier. Ça mesurait à l'époque 146 mètres. Aujourd'hui, il mesure 137 mètres de haut parce qu'il y avait une espèce de revêtement qui était fait de pierre polie. Mais on a décidé d'enlever le revêtement au Moyen Âge pour faire des fortifications pour la ville du Caire. Donc, à l'époque, les gens ont vu des images, les pyramides étaient vraiment, là, c'était très poli, on les voyait de loin, bleutés, puis c'était très différent d'aujourd'hui. Là. C'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage que... Donc, c'était prévu pour durer beaucoup plus longtemps. Là ça, j'imagine que ça a exposé à l'érosion. Bien, c'est ça, mais l'humanité a souvent pas pensé à long terme. Là. Ils voulaient... des talents assez poussés pour s'autodétruire. Donc, c'est impressionnant. C'était fait de la pyramide de Khéops en particulier de 2 300 000 blocs. Chaque bloc calcaire pèse environ 2,5 tonnes. T'sais, quand on pense aux moyens, il n'y avait pas de grue. Puis de... OK, c'est pas Astérix pour Obélix qui avait fait ça? Non, dans mes recherches, ça ne venait pas vers ça. J'ai vu un film là-dessus, je te suis sûr, moi, que c'était eux autres. Faudrait que j'approfondisse peut-être. OK, on va faire une recherche là-dessus. On va taper une prochaine émission. Alors, la pyramide, finalement, c'était quoi? C'était un tombeau, le tombeau du pharaon là, qui était gigantesque. Et c'était un complexe. Les gens vont voir des images. En fait, il y avait trois grandes pyramides. Il y avait le grand sphinx qu'on connaît. Il y avait trois pyramides reines. Il y avait un village de travailleurs. Il y avait plusieurs cimetières, puis un complexe industriel. C'était ça, en fait, le complexe, la pyramide de Khéops. Pourquoi on a choisi Khéops dans les merveilles du monde et pas les autres? Parce que c'est la plus ancienne, la plus grande et la plus complexe, si on parle de construction. Donc, c'est la seule merveille du monde qui est encore debout, même si elle a eu l'érosion un peu. Mais elle a quand même été exploitée en carrière avant le 20e siècle. Puis, à un moment donné, bon, on s'est rendu compte que ce serait peut-être bon pour le patrimoine de la conserver. Là. Donc, l'être humain a vraiment une bonne faculté de détruire des grandes œuvres. La nature est des grandes œuvres. Mais... Malgré qu'aujourd'hui, on essaie de faire de plus en plus attention à ce qu'on considère comme des œuvres d'art. Pensons à l'église de Grande-Rivière, on a réussi à la protéger et la faire reconnaître au niveau du patrimoine national. Oui, ben, je pense qu'on apprend de nos erreurs. C'est une église, hein? Ah, c'est une église de l'envergure d'une cathédrale. Oui, là. C'est vraiment ça. Même si je ne me trompe pas, c'était prévu pour être la cathédrale. C'était prévu, oui. Sujet peut-être d'une autre chronique. Ben oui, effectivement. Encore une fois, une capsule divertissement très intéressante. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, pour terminer l'émission de cette semaine, eh bien, je vous propose un court extrait de la conférence de Sylvie Bernier. Et ensuite, on se laisse sur des images d'une activité qui avait lieu le 23 décembre dernier chez Automobile Mauger de Grande-Rivière. Un hommage a été rendu à M. Pierre Sauvageau. Cette activité de financement a été organisée pour offrir un fauteuil roulant à M. Sauvageau qui souffre de la sclérose en plaques. L'objectif était d'amasser 5 000 Plusieurs personnes étaient présentes pour rendre hommage à M. Sauvageau et l'activité a été un succès sur toute la ligne. Alors, sur ce, se termine votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout mon rêve olympique se termine là. Ça, c'est un saut perdu et demi avant avec double vrille. Tout en même temps. Là, je sors de la piscine, regardez bien ma réaction. Là, j'ai regardé mon pointage, j'ai vu mes parents dans les estrades, et là, je cours. Mais là, regardez comment je suis heureuse.
et je ne sais pas que je gagne. Je pourrais être cinquième ou sixième. Et c'est là que je l'ai gagné. Que j'étais fière de ce que j'avais accompli. Et c'est elle qui me l'annonce. Donc là, c'est la remise des médailles. Là, évidemment, je réalise que j'ai gagné la médaille d'or. C'était la première fois qu'une Québécoise réussissait à monter sur la plus haute marche du podium. Donc, j'ai apporté ma médaille avec moi. C'est cette médaille-là que j'ai sur le podium. Donc, comme je vous le disais, ce qui est important pour moi, c'est pas nécessairement d'avoir gagné la médaille d'or, mais c'est d'avoir vraiment eu le sentiment que j'avais tout fait ce qui était possible de faire pour réaliser mon rêve. J'ai commencé à y rêver, j'avais 12 ans, en voyant les Jeux olympiques à Montréal. Donc, moi, je viens de Québec, cinq fois. Puis, à Montréal, ça me semblait très près, c'était dans la même province. Et lorsque j'ai vu les plongeurs, puis j'avais comme le sentiment que c'était possible, j'ai commencé à m'entraîner vraiment fort. Et 8 ans plus tard, je suis allée à Los Angeles et je suis revenue avec cette médaille-là. Suzy et Jean-Louis pour cette magnifique journée.